On est parti sur un guide coaching, on est sur Nico Support, d'ailleurs je suis sur Poppy, on est sur Nico Support, on est en platine 1, lot diamant, et on nous pose la question suivante, globalement, travailler la macro en support, mage pour carry les games, prise de décision, etc. Il y a un truc assez intéressant, c'est que tu as le côté dans League of Legends qui est le suivant. Tu vas avoir partie, on va dire en Aeron, va durer en moyenne 32 minutes. Plus tu vas monter, plus tu vas monter, plus tu vas monter en Elo, plus la moyenne des parties va durer moins longtemps. Et vu que là tu commences à arriver au diamant, bah la moyenne des parties ça va être peut-être 23-24 minutes. Donc ça veut concrètement dire que ce qui va te permettre de gagner une game à cet elo, ton decision making early game. Donc si t'arrives à avoir de l'impact sur ces timings de jeu, si t'arrives à avoir de l'impact sur ce timing de jeu, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, bah en fait, si tu joues beaucoup early game, là t'auras plus de pourcentage de win rate que si t'arrives à jouer early game à ces autres elo. Donc les champions late game brillent totalement en Aeron. Par contre les champions early game vont briller totalement à partir du diamant jusqu'en challenger. Voilà pour l'explication. Ce qui va se passer c'est que hormis d'avoir un champion late game ou un champion early game, ton decision making peut être basé sur l'early game ou late game. Par exemple jouer les heralds, jouer les drakes parce que ça va être un peu plus late, forcer de prendre rapidement des gold avec les heralds et la première tourelle pour accélérer le jeu, etc. Quand tu vas casser ta tourelle, les gens vont commencer à se regrouper, à jouer sur des endroits de la carte. Et qu'est-ce qui va se passer concrètement? Il va se passer que vu que tu as chopé un leading niveau gold, et bah vu que tu vas regrouper, et bah tu vas créer plus de jeux, tu vas créer une supériorité au gold contre l'équipe ennemie, tu vas les forcer à regrouper contre toi, et donc tu vas gagner ces fights, voire accélérer la game pour la finir. Mais quand on sort ça, on se dit ok, je joue Nico, un support P, mage, poke. Voir maintenant qu'il y a une capacité d'engage assez considérable à cause du rework, des boosts, du baiting, etc. Et qui se rapproche plus d'un Shaco que d'un Xerath, d'ailleurs, maintenant. Et ce qui se passe, le truc assez intéressant, c'est de se dire, ok, comment je vais jouer ma laning phase avec Nico? Qu'est-ce que je dois faire en laning phase? Mais le plus important, là, ça va être de comprendre comment, avec Nico, je vais pouvoir créer du jeu sur la carte. Parce qu'en fait, le rôle d'une Nico, c'est pas le rôle d'un Xerath, ok? Ton rôle, ça va être d'être vraiment le second jungle. Et si t'arrives à comprendre que tu peux être en solo jungle tout en supportant ton ADC, tu peux créer énormément de jeux. D'une part, c'est un champion où tu vas vouloir en permanence sur la lane avoir le contrôle des bush et le contrôle des roaming. Donc ça veut dire, je veux que si tu joues par exemple ici, je veux que les ennemis n'aient pas l'information sur toi et je veux que tu joues le plus possible ici. C'est pour ça que le start des warders est un très bon starter dessus. Pourquoi je veux ça? Je veux que tu aies un gameplay où les ennemis aient le moins possible d'informations sur toi et à cause de ça, ils vont pas savoir si t'es en roaming ou si t'es sur la lane. De plus que tu peux te camoufler en creep, donc ils savent pas si t'es un creep de la lane. Tu peux jouer un bush, ils savent passer dedans. Tu peux te faire passer pour le jungle sur ton roaming et tu sais que c'était ward et tu reviens avec la forme de ton jungle comme ça et donc toute la team ennemie vont dire jungle bot, jungle bot, jungle bot et en fait que c'est toi. Tu te reprends un petit creep, t'arrives ici, full safe. T'as plein de notions comme ça qui sont très importantes à apprendre avec Nico. C'est expliqué d'avoir le contrôle des bush, d'avoir le contrôle de cette rotate et si tu sais que t'as pas la contrôle sur cette rotate, d'arriver à revenir avec le jungle pour bait et même pour faire s'il voit le jungle là, la bot lane va reculer alors qu'en fait ton pote est en pur. Et arriver à trauma, en quelque sorte, les champions ennemis en ne savant pas où est Nico, qui est Nico, permettre à ton ADC de limite gérer le 1v2, pouvoir se permettre de créer beaucoup moins de jeux. Première notion à prendre. Donc une fois que tu arrives à mettre ce mindset, cette notion de pensée dans la team ennemie, il y a deux gros trucs que j'ai envie de te rajouter qui vont vraiment te permettre de grind. Premier truc avec Nico, tu vas m'apprendre à jouer en domino. Donc c'est-à-dire que tu traces un domino et que t'as le droit d'être ici mais t'as pas le droit d'être trop devant, t'as pas le droit d'être trop derrière. Entrement si t'es trop devant, c'est toi qui va être out. Et si t'es trop derrière, et bah tu vas rendre ton allié out pause. Donc ça c'est quelque chose que tu dois apprendre à faire. Et si on appuie un peu play, t'es bien positionné. Bon tu te fais grappe à travers, on sait pas trop comment tu fais. D'arriver à comprendre les temps faibles ennemis, les temps forts ennemis, et de jouer par rapport à ça. Ce que je veux dire, c'est quand tu joues ton domino, ok, on va dire qu'il est là. Si grappe, si Pyke n'a pas de grappe, si grappe n'a pas de Pyke, j'allais dire, mais si Pyke n'a pas de grappe, tu peux te permettre de t'avancer un peu pour pouvoir engage. Pourquoi? Parce que les ennemis sont en temps faible et ne peuvent plus t'engage. A contrario, hormis de penser au temps faible ennemi, il faut aussi penser au temps faible de ta lane. Ton temps faible, c'est quand tu n'as pas de CD. Ton temps faible, c'est aussi quand la Vayne, elle vient de roulade in et mettre l'auto-attaque et qu'elle est en train de reculer. Tu comprends bien que toi, quand tu vas avancer, tu vas être solo parce que la Vayne n'a pas de follow-up. Est-ce que tu comprends cette notion? Merci Silver pour ton follow. Pourquoi on a perdu des HP mes pokes? Parce que t'as fait des combats et qu'à un bout d'un moment il faut aller heal. Donc ça c'est un truc que tu dois arriver à comprendre. Et donc tu vois je vais te donner des petites erreurs par exemple de positioning. T'as ton Q, attends je vais te remettre. Je vais regarder quand est-ce que t'as ton Q. 5, 4, là t'as ton Q tu vois.
Là t'as ton Q, t'as plus ton Q. Voilà, là t'as re ton Q. Tu dois identifier deux choses. Ce que tu dois faire en lane. Donc là je t'ai expliqué quand est-ce que t'as le droit de t'avancer, quand est-ce que tu dois te reculer. Donc ça tu dois te fixer ces deux petites règles dans la tête que je t'ai mise. Ensuite, maintenant ta règle avec Nico, ta seule règle avec Nico, de vraiment punir quelqu'un quand il est mal positionné. Donc si l'ADC s'avance pour prendre un CS et que le support reste derrière, et ben leur domino il est cassé, on tabasse. Si le support s'avance pour proc un targon et que l'ADC reste derrière, on tabasse. Donc là c'est les deux timings où tu peux vraiment toucher des sorts gratuitement dans League of Legends. Ce qu'on rajoute en ça, toi ton taf avec Nico, t'es pas un Nautilus, t'es pas un Blitzcrank. Toi, le minimum que tu veux faire, c'est stack ton item support. C'est gagner tes 20 petits free gold et de jamais être là sur l'item support qui est là-bas, d'être à 3 stacks. Parce que quand t'es à 3 stacks, et bah tu charges pas tes stacks. Donc en fait, indirectement, tu perds des gold. Tu perds ton scaling à 15 minutes de jeu, bah l'item ennemi aura fini son item, pas toi. Donc t'as perdu 400 gold par rapport à lui, par exemple. Donc ça, il faut que t'arrives à comprendre. En laning phase, on abuse des temps faibles ennemis. On fait attention à nos temps faibles. On abuse des moments où l'ADC va vouloir prendre un CS quand le pike va vouloir tuer un CS pour pouvoir faire du poke. Voici la première notion que tu dois vraiment. Merci à Tom pour ton follow. Tu viens de TikTok toi, nom de tête. Donc ça, voici tes règles pour jouer parfaitement une laning phase. Ensuite, on va partir sur le moment intéressant. Je t'ai expliqué ce côté un peu Nico. On a dit, bah, les games sont plus courtes à ton elo. Comment on va pouvoir faire créer du jeu? Là, je suis master, mais comment on va faire? Et ben, on va devoir faire du roaming. Roaming, je crois. Comment on fait roam avec Nico et avec la plupart des champions, mais surtout Nico? On va accélérer un peu. Il va avoir un fight, il va avoir un mort, etc. Là je te pose une question. Est-ce que tes niveaux de temps en ton route, tu peux pas aller en mid lane? Je vais te donner les règles de roaming. Je vais te donner les règles de roaming. Mais avant, je peux pas duo. Vu que je suis au-dessus du master, les duos sont disables. J'aurais pu fake minion mid. Tu peux fake minion mid. Donc je vais t'expliquer maintenant une autre règle qui va vraiment te carry. Dans League of Legends, t'as des timings pour décaler de là à là, aller de là à là, et pour aller de là à là. On est d'accord. C'était 3 roamings possibles dans League of Legends. Maintenant, ma question, c'est, t'as quoi? T'as cette situation-là, c'est soit quand tu meurs, soit quand tu back. Là, le départ de cette réflexion, ça va être ce moment-là. La réflexion qui va être ici, ça va être, à quel moment avec Nico, tu as la possibilité de partir d'ici et d'aller là-bas, à quel moment? Quels sont les critères? Est-ce que tu peux me les dire? Pas du tout que cette situation de lane qui peut être push. Je vais t'expliquer. Pour pouvoir faire un roaming, et ça va être les mêmes critères, sauf que là, le critère va être en direct. Là, il est en live, et le critère là-bas, quand tu seras dans ta base, il sera délayé de 30 secondes. Donc, tu dois devoir un peu visualiser, comprendre ce qui va se passer. Là, il est en live. Le critère, c'est le suivant. Peu importe où est la lane, il va falloir prendre ces critères. Les deux critères, c'est est-ce que mon ADC, si je le laisse tout seul, donc il est tout seul en lane, versus ce qui est en face, donc il peut avoir 0 personne, il peut avoir une personne, il peut avoir deux personnes, ça dépend. Est-ce que mon ADC, si je le laisse tout seul, il meurt? Donc t'imagines bien qu'un Ezreal contre, Kei Sayumi, il peut pas mourir normalement. Il peut te permettre de le laisser tout seul. Et est-ce que il va arriver à farm si je me casse? Le deuxième critère. Est-ce qu'il arrive à farm solo? Donc, tu comprends bien. Si ton ADC c'est Vayne et que la lane est bloquée ici et que le mec doit s'avancer là pour farm, pas content sur le roaming. Pourquoi? Parce que les ennemis ils ont toute cette distance pour pouvoir le chase. Que si en face, le support ennemi c'est Nautilus, c'est Pyke et que t'as un ADC qui n'a pas d'escape, si la wave est dans cette zone, on n'est pas trop content. Donc, le truc, ça va être. Si mon ADC est en 1v1. Oh, imagine le mec, il met un like. J'avoue, imagine, il met un like. C'est sûr qu'il va mettre un like. Que si le support à roam ou si l'ADC à roam ou à back ou est mort, je peux me permettre de roam. Vayne solo, ça devrait pouvoir survivre. Ouais. Non, Vayne, ça peut pas survivre solo parce que c'est un champion qui est low range. Il a pas beaucoup de range, elle a qu'un seul dash. Et si l'équipe ennemie a une capacité de langage, tu vas pas te dire oh mon mate, il est pas arrivé à esquiver le grab. Parce que bah, tu peux pas, c'est aussi un truc quand même assez complexe. Dans ce cas-là, bah, pourquoi Blitzcrank touche des grabs si c'est. Pourquoi tu t'es déjà pris un grab de Blitzcrank pour te dire oh, c'est bizarre. Ce qui se passe, c'est que si ton ADC et la wave est située dans cette zone là ou sous la tour, si la team ennemie ne peut pas le dive, t'as un timing roam. Ton roam est gratuit. Si la lane est au milieu, que ton ADC en 1v1, tu peux roam. Si ton ADC est en 1v2, mais que c'est un support qui ne peut pas créer d'engage, et que tu t'arrives à comprendre que ton ADC aussi, tu vois, t'es pas Vayne contre Lucian Nami, il va se faire péter la gueule. Mais que si le matchup veut que tu peux te permettre de le laisser un peu tout seul et qu'il risque pas de mourir et pas de perdre trop de creep, après, c'est aussi arriver à comprendre ton ADC. Toi là, ton ADC, t'as eu le temps de faire 5 minutes de lane avec lui, t'es censé aussi arriver à comprendre
comprendre si le mec est dégueulasse. Et si le mec est dégueulasse, et bah dans ces situations qui sont un peu 50-50, d'arriver à comprendre non, je vais devoir aller en lane. Et ensuite, si la lane crash sous la tour, bah ça veut dire que la prochaine wave elle va reset. Et ça veut dire que j'ai 30 secondes gratuites pour roamer. Si ça crash sous la tour et que ton ADC reste sous la tour, et bah on va revenir parce qu'il risque de se faire décaler par ici, décaler par là. Donc il faut y aller. Voici les critères. Ça, ces critères ils sont en live ici, mais quand tu vas être là-bas, il faut arriver à les visualiser. Il faut se dire, bah le temps que je fasse ce trajet là, est-ce que les ennemis sont déjà en train de slow push, donc mon pote sera sous la tour et il sera safe? Est-ce que mon pote est en train de slow push et qu'il est full life, full HP, qui vient de back, donc ça veut dire qu'il veut rester sur la lane et ça veut dire que là il sera en danger? Ou est-ce que mon pote est en train de slow push push mais qu'il est mid life et que les ennemis sont pas encore là, donc concrètement il est en train de push pour pouvoir back? Donc à quoi ça va me servir d'arriver en lane et d'arriver à la situation où le mec vient de back et en fait là t'attends 30 secondes en lane en train de danser comme un débile? Et donc c'est dans ces situations où t'as la possibilité de roam mid ou top. Le roam top, tu vas seulement le prendre si tu possèdes des bots rang 1 au minimum, ou à part si avec Nico t'as des gros boosts de move speed. Sinon tu vas privilégier le roam mid. Pour le roam mid et le roam top, plein de stratégies broken avec parce que avec Nico c'est spécial, mais t'as le fameux ganking creep qui est très puissant. Ou autrement, tu passes là, tu passes là, tu passes là, tu passes là. Autrement, je te dis le gank creep qui est très bien. Mais si tu peux pas faire le gank creep, il faut que la lane, que le champion ennemi soit au minima situé dans cette situation, qu'il soit au minima ici. Ce que je veux dire par rapport à là, pour réussir un bon gank, et c'est pour ça que t'es un peu le second jungle que je t'explique. Tu dois me tracer une ligne au milieu de la lane et de comprendre que si le champion ennemi a dépassé ça, tu peux le gank. Par contre, s'il est là, ça va être un peu plus complexe. Parce que, bah, en fait, si lui, il se casse là, il est sous sa tour, en fait. Là, il est déjà sous sa tour. Donc le mec, il a que ça comme trajectoire à faire. Mais t'as des champions qui ont moins d'escape. Des Orianna, des Lux, des champions comme ça. Alors que si le mec joue Vladimir ou il joue Camille, bah, le mec, juste, il va faire une flaque, let's go, je suis safe. Ou le mec va faire petite connect, petite dash, je suis safe. Donc en fonction de si le champion possède beaucoup de dash ou beaucoup d'escape, cette ligne là, elle va varier. Et bah si c'est une Camille, malheureusement, bah je peux que la gank si elle est minimum ici. Si le champion ennemi c'est une Orianna, et bah en fait la ligne elle est ici. Parce que si la Orianna est située dans ce carré bleu là, et bah je peux la gank. Et ça c'est quelque chose que tu dois arriver à comprendre. Talon mid, c'est gankable. Quand tu arrives à gank, il est déjà positionné sur ton side. Par contre, s'il est sur le side opposé, quand tu arrives à faire un gank, qu'est-ce qui va se passer? Donc alors, deux possibilités: d'être sur le side où le mec le joue pour pouvoir l'engage, ou alors d'arriver en petit creep et lui faire et de le tuer quoi. Est-ce que t'as compris ces notions? Et là, ça te fait déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs à apprendre. Désolé de t'entendre balancer. Mais t'as appris, jouer sur la psychologie de Nico et sur le manque d'informations, donner beaucoup d'SS et avoir cette situation de support diff dit par la team ennemie parce qu'on ne sait pas où t'es et tu fais beaucoup de roaming. D'arriver à comprendre à comment jouer parfaitement ta laning phase avec Nico et comment optimiser tes gold. Et ensuite, arriver à la situation d'arriver à comprendre sur le roaming avec Nico, sur comment tu dois le jouer, soit en partant de ta base, soit en partant de ta lane. Mais au début, peu importe de la draft, Mirolam, tu dois t'entraîner sur Nico Support et arriver à comprendre toutes ses possibilités, toutes les limites qui sont quasiment infinies que propose Nico Support, parce qu'en fait, plein de strats possibles à créer, à utiliser, et arrive à comprendre comment les gens pensent quand t'es transformé en quelque chose ou autre pour arriver à créer du jeu. Comprendre comment les ennemis pensent pour pouvoir t'adapter à ça et créer du jeu et stomper tes ennemis. Hop, 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 juste pour te dire que c'est un coaching qu'on effectue en live. Donc tu peux participer gratuitement à du coaching, peu importe ton elo, peu importe ton rôle, tout ce que t'as à faire, c'est devenir une petite commande dans le chat et c'est réglé. Donc n'hésite pas, c'est ton meilleur pouce bleu si t'es arrivé à prendre de la micro ou de la macro grâce à cette vidéo.